Bon matin, jour numéro 42, de retour sur la trail après 3-4 jours de repos. Ça a vraiment fait du bien. Mon talon semble bien. En tout cas, du moins, j'ai pas de douleur à matin du tout. Dans les montées, rien de tout ça. C'est sûr que ça fait 3 jours qu'il bouge pas, presque pas. Je faisais juste des petits allers-retours en ville. Là. C'était 4-5 km tout au plus. Puis, j'ai pas fait beaucoup de dénivelé. Mais, je suis confiant. Et, nouvelle paire de souliers aussi qui va beaucoup aidé. J'avais la toile d'araignée ça. J'avais près de 700 kg dans mon autre paire de souliers. Je pensais qu'il était pour faire un peu plus que ça. Mais bon. C'est comme ça. Je m'en vais dans un stretch de 5 jours sans ravitaillement. Ça veut dire que je transporte pour 5 jours de nourriture avec moi. 5 jours de nourriture, c'est à peu près calculé à peu près 2 livres comme faut par journée de nourriture. Donc, je traîne un 10 livres de plus dans le pack-sac pour 5 jours. 10 livres, ça paraît. C'est lourd. Le plus que j'ai fait, c'est 16 jours dans les Smokies. Puis ça a été vraiment intense. J'étais vraiment content vers la fin. Le sac, il s'allège au fur et à mesure que tu manges. Je te garantis que tu ne sautes pas de repas. Tu bouffes. Ça vide du poids, puis c'est un peu moins à chaque jour. Ce qui va jouer de mon côté pour ce stretch de 5 jours-là, c'est que c'est pas des grosses distances et c'est pas des gros dénivelés. Là, je ne sais pas, est-ce que je joue avec le feu ou pas? J'aimerais ça dire, vu que c'est pas des grosses distances ni des gros dénivelés, d'en faire un petit peu plus à chaque jour, puis couper ça à 4 jours. Fait que dans 4 jours, je pourrais être dans une ville, ravitailler à nouveau. Il va me rester quand même une journée de bouffe dans le sac. Puis, ben, je regagnerais au moins une journée sur mon horaire. Je viens pas d'en perdre, on peut pas dire d'en perdre, je me suis reposé, c'était nécessaire. Mais je vais quand même regagner une journée sur l'horaire que j'ai fait. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On verra. Si je peux, si je peux pas, c'est sûr qu'il faut que j'écoute mon petit talon en bas, là, qui a crié à l'aide pendant une couple de jours. Faut que je l'écoute. Sur ça, je continue à marcher. J'ai envoyé mon stock d'hiver aussi hier. Ça a été une grosse histoire. Vraiment compliqué d'envoyer du stock. Bureau de poste, il voulait rien savoir du... En fait, c'est pas la personne, c'est le système informatique qui voulait rien savoir du shipping international. Donc, il a fallu que je me trouve une adresse au USA pour faire envoyer ça. Et je retournerai le récupérer quand que je vais revenir chez nous. Une chance que j'ai des bons amis pour ça. Sur ça, à plus.
Donc, aujourd'hui, retour sur la trail. Ça fut une journée d'à peu près 14 miles. L'application me donne un petit peu plus que le graphique qu'on voit là. C'était 14,5, mais bon, pas grave. Complètement à gauche, c'est le camping où ce que j'ai commencé, qui est à 0,5 miles de Damascus. Fait que c'était très facile pour moi d'aller en ville. La journée a commencé avec une petite montée, puis après ça, on descend. Après ça, une longue ascension pour finir complètement à droite. Je dors près d'un shelter. Je ne suis pas dans un shelter parce que j'ai ça. Je suis vraiment dans ma tente. Mais je suis prêt. Puis ça a donné à peu près, grosso modo, là, 4000 pieds de dénivelé. Ça, c'est 1200 mètres de dénivelé pour le total de la journée. Demain, ça devrait être un petit peu moins.